On avait une réunion à faire avec, avec le groupe, donc on va pouvoir aller la faire tranquillement. Il y a du monde ici, dis donc, là. Les gens qui profitent pour fumer un petit peu partout. Hop, voilà. Salut, mon Paulo. Radio, je suis en ville. Bonsoir. Bien pris, ici, moi, je suis aussi en ville. Vous allez bien, messieurs? Ça va, ma petite Sophie? Mouah, je te fais la bise. On survit. Ouais, ça va, on survit, mon pote. On va se balader en ville calmement, tranquillement. On va voir un petit peu tout ce qu'il y a. Et je vais appeler mon... Je sais pas du tout s'il est en ville. Ok, il a pas l'air d'être là. Et là, on va refaire... Alors. Ouais, ça va? Ça va et toi? Ouais, tu te branlais ou quoi? Pareil, j'attends le point. Ouais, tout à fait. Ok. J'ai pas l'impression de voir beaucoup de gens en service, hein, au service taxi. C'est même pour Gold. Ouais, bah je sais que Médéric, Patrick Bassin et Bjorn, pareil. Il y en a un qui, je crois qu'il est parti en vacances, mais je l'ai plus revu, Sun Sheeran, donc on peut le virer. Ok. Et après, Jali travaille, Emmanuel travaille, et je sais pas si on a d'autres employés. Le Borg, mes couilles là, il revient quand lui? Bjorn. Ouais. Bjorn, il travaille? Non, c'est Sun Sheeran. Lui, il est sorti de fédéral ou pas? Bjorn, je sais rien. Ok, bon, on essaiera de voir ça. On verra ça pendant la réunion, parce que faut qu'on reprenne de ses... Ouais. De ses parts, là. Oh, j'ai failli me faire percuter par un camion, putain. Bah si, tu me tiens au courant, hein, pour le lieu de... On arrive en civil, hein, non? Ouais, bah oui, ce sera la réunion, au bureau, de toute façon. Ok, chez toi? Oui, ok, tout à fait. Ok, tu m'enverras. Je vous envoie la position de la réunion qui sera au bureau, bien éventuellement. Ça ne veut rien dire, mais je le dis quand même. Bien éventuellement, bien éventuellement. Allez, bien éventuellement, j'y suis en vous. Voilà, ce sera le mot du jour. On va s'acheter quelques petites provisions pour plus tard. Quel plaisir, les gars, quel plaisir. Putain, je suis content. The White, attention police dans le secteur. Oui, bonjour, vous avez appelé le service taxi. On ne sera jamais... Dans quel secteur? Secteur du point de rendez-vous. Alors, il faut parler, monsieur, madame. Hop, ça dégage. Bien éventuellement. Je vais prendre cigarette, parapluie, mal barré, non? Vas-y, je vais aller le voir. Je vais aller le voir et s'il parle pas, je lui mets un coup de pression. Est-ce qu'on doit être en tenue ou pas? Non, c'est au bureau. D'accord. Tu vas pas dans des bureaux avec une tenue? Bah, je viens tenue, alors. Fin de transmission. Ça me dérange pas. Mon téléphone est cassé. Je vais chercher un client et j'arrive. Bien après. Oh non, mais putain, faut aller le chercher. Lui, il va payer cher la tête de ma mère. Fuchsia pour Radio, je suis sur la route avec Yellow. On arrive. J'ai pas d'humeur. Très bien. Bonjour. Bonjour, madame, vous allez bien? Oui, ça va. Vous allez y arriver avec votre téléphone? Oui. Bon, vous travaillez à la raffinerie, c'est ça? Blue, il y a sur l'autre. Non, je travaille à LSPD. Très bien, sûrement une enquête alors. Plus ou moins, on va dire qu'une patrouille qui a mal tourné. Une patrouille qui a mal tourné? Mais vous venez de sortir d'un canal quand même, hein? Oui, la voiture elle est tombée dans l'eau. Ah, d'accord, et elle est encore dans l'eau là? Oui, il y a un collègue qui est dedans, mais je sais pas où il est en fait, elle a disparu. Il y a un collègue dans une voiture dans l'eau là! Oui, il a disparu, je sais pas où il est! Et ça vous fait pas paniquer? Bah si, justement, je vais voir s'il est pas retourné au commissariat. On est devant, okay, je vous y emmène alors. Et comment vous avez fait votre affaire pour finir dans l'eau? Faut m'expliquer quand même, parce que c'est assez cocasse. Bonne question. Attendez, mais vous avez fait quoi? Vous faisiez quoi en volant sans indiscrétion? Bah c'est pas moi qui conduisais en fait. Bah justement, vous faisiez quoi à côté du volant alors? Parce que, j'étais au téléphone avec un ami et boum, je me suis retrouvé dans l'eau. Mais non, mais attendez, y'a rien qui va dans votre histoire. Vous pouvez pas être au téléphone et vous retrouver dans l'eau. Je sais pas vraiment, je me suis retrouvé. Enfin, je crois que j'ai passé à travers le pont, je crois, je sais pas. Vous aviez les yeux sur la route, rassurez-moi. Bah non, justement, j'étais devant le téléphone. Comment ça, vous étiez devant le et vous étiez devant le téléphone, mais vous avez un grand périphérique en angle de vision, on est d'accord? Ouais, on va dire ça, ouais. Vous bah, je sais quoi, pas madame, vraiment. Vous faisiez quoi, madame, à côté? Je comprends pas, là. Bah, en fait, j'envoyais un SMS, puis en fait, mon collègue il était dans la voiture en train de conduire, quoi. Bien sûr, Et il est passé à travers le pont, je crois. Enfin, il a fait une petite chute. D'accord. Il s'est retrouvé dans l'eau. Et vous l'avez suivi? Bah ouais. Et vous êtes pas noyé, ça va? Non, ça va, j'ai appris plus ou moins à nager il y a pas très longtemps, donc c'est bon. D'accord. Non, ça serait dommage que vous mouriez comme ça, quoi. Oui, c'est sûr. Je vous facture que vous pouvez sortir. Il y a rien va dans l'histoire. Bon, bah, j'espère que vous aurez des nouvelles de votre collègue. Ah là, ça fera 100 dollars, madame. Très bien, voilà, merci. Bien. Bon, bah, courage à vous, en tout cas. Merci vous. Avez à vous une aussi. Très belle tenue. Merci. J'aime bien le côté sauvage, un peu. Y'a quoi? C'est gros, elle faisait quoi, frère? Allez, je suis sur la route. De Blue, on est devant avec Gold. Ok, allez, let's go. On va faire cette réu et on va voir un petit peu ce qu'il s'y passe. Ici Radio, je suis juste en bas. Ici Radio, je suis en bas. Ouais, j'ai vérifié, c'est bientôt. Monte.
J'arrive. L'ascenseur il est rapide, hein, l'ascenseur de ton immeuble, hein. Oh oui. Ah la vache. Bien. Ah ça décoiffe, hein, putain, j'en ai perdu les cheveux. C'est un truc d'un fond, hein. Tellement été vite qu'on a vu un cachet lourd. Ah non, oui, oui, c'est vrai, bah putain, c'est... mais ça retourne le crâne ces trucs-là, hein, de toute façon. Hein. Ouais, en c'est même temps, je sais pas trop ce qui se passe en dessous, hein, même si j'ai acheté tout ça. Ouais, je comprends, mais tu sais que les ascenseurs, ça date de l'Égypte ancienne, hein. Ah bon? Oui, ça faisait des ascenseurs avec des très grosses briques pour empiler, et ils faisaient des pyramides, c'est con. J'ai jamais compris l'intérêt d'une pyramide, y a pas de place dedans, c'est ridicule. Moi non plus. Autant faire carrément quelque chose de rectangulaire, tu vois, comme une maison. C'est peut-être un frigo. Dans une pyramide, tu crois? Ouais, c'était possible. Peut-être une cave à vin, hein. Ouais, possible. Eh, tu sais, les Égyptiens, on sait jamais ce qu'ils ont derrière la tête, hein. Ouais, faut se méfier d'eux un peu. Mais tu sais, dis-toi que la dernière fois, j'ai croisé un Égyptien. Je lui ai niqué sa mère. Tu sais pourquoi? Mais non, pourquoi? Mais parce que je vais être simple, je vais poser une question. Je lui ai dit, c'est qui ton pharaon actuellement? Il m'a pas répondu, ce bâtard. Il m'a pas dit, putain, là, j'ai déjà envie de me battre là, tu vois, là, j'ai déjà envie de me battre. Ouais, putain. Ouais, je te jure. C'est que moi aussi j'ai vu un pharaon, un égyptien d'avant. Ouais, et alors? Je l'ai vu là dehors devant la route. Et il a fait quoi? J'ai tourné le dos, il a fait une pyramide. On a un problème dans le salon. Il a fait quoi? Il a fait une pyramide. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Je sais pas, il faut être des pyramides. Bon, je fais quoi? Je tabasse tous ou pas? Non, ouais, c'est voilà. Non l'idée, moi j'ai rien fait. Oh là là, ça va mieux. Bonjour boss. Voilà. Bonjour, bisous. C'est bien. C'est Jalali qui nous a forcé. Mais putain, c'est pas vrai. Non, c'est pas Jalali, étant donné que j'ai envie que ce soit toi, tu vas me prendre un balai et tu vas me nettoyer le sang au salon. Bon bah d'accord, ok. Super, bravo. C'est pas très gentil ça, mais bon. Eh, pack un jour, pack toujours. Emmanuel, tu vas l'accompagner. Quoi? Allez, Emmanuel, oui. Accompagne-le s'il te plaît. Obéis au chef. Obéis à notre. Ah, il est tombé. Peut-être qu'une balle dans la jambe. Non, allez. Ça va. Tu as le balai? Allez, on frotte. Je frotte. Pardon, vous pouvez enlever votre pied, pardon monsieur, merci. Pardon, excusez-moi, je frotte aussi. Ah, on a frotté déjà ici. Eh les gars, on a pas oublié d'attendre Dawson. Tu vas faire cette blague là combien de temps à peu près dans ta vie? Déjà que la première fois, personne n'a rigolé. Ouais, c'était pas moi la première fois quand même pour Dawson. Il est là. Dawson. À toutes tes conneries. C'est vrai que t'ouvrais beaucoup trop ta gueule, mais bon. Et t'avais une coupe de merde. Oui, une voix de merde. C'est vrai que t'as des pilotes. Il y a rien qu'à aller finalement, mais bon. Et tout savait pas conduire. Pour un ancien conducteur pro, c'est vrai que c'était pas trop ça. Même. Alors qu'il changeait de caisse tous les deux semaines, hein. Et qu'est-ce que tu cassais les couilles? C'est bon, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Ouais, c'est bon. On a rien laissé à l'émoire. Tu lui prêtais un SUV, tu le ramenais une Twingo. Bon, messieurs, réunion importante. Vous êtes prêts? Si. Parkinson, on te laisse ouvrir cette réunion, s'il te plaît. Merci, Parkinson. Très bien. À toi, Jameson. Ouverture de réunion, à vous. Ok, je continue la réunion, à vous. Très bien, à toi, Jameson. Je clôture la réunion, à vous. Allez, c'était génial, les gars. Allez, on y va. Bonne soirée. Allez, bonne soirée, messieurs. Eh bien, c'est une réunion qui a été proposée par Emmanuel et Johnson, mais principalement par Emmanuel. Donc, Emmanuel va commencer parce qu'il a à dire. Bonjour, messieurs, ravi de vous voir ce soir. Laissez-moi vous dire que c'est la merde. Merci. Vous vous souvenez de Seigneur Tavin? Ouais, celui qu'on a rencontré dans l'entrepôt. Voilà. Tavin a été trahi, il était en alliance avec les Italiens. Il a été trahi par les deux, enfin par les Italiens et par un gars de chez lui. Il y a un homme de chez Tavin qui a rejoint le clan des Italiens. Donc, Tavin n'a pas aimé, il tient expressément à abattre cet homme et également à abattre les têtes des Italiens, à savoir Monsieur Vito Bambino Leone et Gino Santini. Moi, comme je vous l'ai présenté, Tavin c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis un bon moment et avec qui j'ai de très bonnes relations, qui a un groupe sérieux et organisé. Il est donc venu me voir pour me demander de l'aide face aux Italiens. À ce moment-là, ça a été compliqué, mais juste avant, on avait eu une réunion avec M. Galagan et les Italiens. Lors de cette réunion, le discours des Italiens avait complètement changé. Avant, ils étaient assez amicaux avec nous, voire même nous manger dans la main. Depuis qu'ils ont trouvé le vendeur d'armes lourdes et qu'ils veulent donc s'imposer en tant que monopole sur ce marché, j'ai trouvé qu'ils nous avaient un peu pris pour de la merde. À savoir, se foutre de la gueule de Galagan, se foutre de ma gueule et nous manquer à moitié de respect. La question que je me suis posée, c'est il y a deux groupes importants dans cette ville à part nous, c'est Tavin et les Italiens. Lequel on veut voir disparaître, lequel on veut voir monter. Et surtout, où est-ce qu'on veut se positionner par rapport à ça? Moi, je pense que personne monter. Hein. Moi non plus. Je pense qu'il est bien que deux groupes entrent en guerre. Et je pense qu'il est bien qu'on intervienne de manière secondaire là-dedans. C'est-à-dire sans engager le groupe, mais juste aider à l'effort de guerre. Vu le changement d'attitude des Italiens avec nous, c'est pour moi ceux qui doivent disparaître. Ouais. Moi, je pense que cette guerre, faut leur laisser. C'est pas la nôtre. C'est pas ma guerre, comme disait un grand homme. C'est pas notre guerre. Je pense qu'on va devoir se reconsacrer sur notre business à nous. On doit se refaire de l'argent, se refaire des armes. On doit réimposer nos putains de couilles dans cette ville. Je pense qu'on va les laisser s'entretuer, on parlera aux vainqueurs. Vous voyez ce que je veux Alors dire justement, c'est ce que je pense. Hein. Je suis d'accord avec ça, mais justement, il y avait un moyen de se faire un bon paquet de bif. J'ai proposé à Tavin de lui attraper les trois têtes qu'il veut, Gino, Vito et Black Jones, et c'est 40 000 dollars de salle par tête. C'est-à-dire que si on lui livre en kidnapping, c'est 40 000 et 100 000 pour les trois. C'est-à-dire que nous, on ne se mouille pas spécialement. Si on n'y arrive pas ou si on ne le fait pas, bon, on ne le fait pas, c'est pas grave. Alors, il y a une erreur de calcul, je crois. Il n'a pas les moyens de payer 100 000, donc on s'arrangera, si vous l'acceptez, avec du propre. Mais il pourra au moins lâcher 40 de salle. Ouais.
Ça m'emballe pas de ouf pour l'instant. Ok. Moi, je vois le côté intéressant du style. Si on a une grosse opportunité qu'on peut en choper un, on le fait, ça nous engage à rien, on reste masqué, anonymat est garanti. Par contre, si c'est trop compliqué, on fait rien. Et comme ça, Tavin, il attend rien de plus de nous. Donc, il n'y a pas de. Vous voyez, c'est pas comme si on lui avait dit oh, on s'engage dans la guerre et en fait, on ouais. le fait pas. Non, mais c'est à ça que je pense en fait. Moi, je sais pas, après, c'est moi encore le mot final, mais si je peux donner mon petit avis, moi je pense qu'on les laisse faire la guerre, nous on se reconcentre sur tout ce qu'on a à faire. Maintenant, je serai beaucoup plus présent. J'ai enterré ma grand-mère et mon chat aussi, dernièrement. Donc maintenant, je suis mais beaucoup plus présent. Ouais, y a pas de problème pour la grand-mère, elle est morte. Ouais, mon chat, par contre, je l'aimais, putain. Petit chat, les bras de Dawson. Il est là. Dawson, il est en enfer. Mon chat, il est au paradis des chats. Et puis, une fois qu'on aura le vainqueur, on pourra même se partager la ville. Mais alors, attendez, y a un truc que je comprends pas. Quel serait l'intérêt? Même si c'est monétaire uniquement, pourquoi on choisirait d'aider ce Tavin? En fait, c'est simple. Les Italiens sont plus nombreux, mais Tavin est plus organisé. Tavin a des ambitions plus sérieuses et une gestion des relations plus sérieuses. Si demain, on aide Tavin et que les Italiens tombent, Tavin sera forcément affaibli, on sera forcément en position de force. Donc on sera en situation de monopole, il nous devra quelque chose. Si on aide les Italiens et que Tavin tombe, j'ai peur qu'à l'avenir, les Italiens soient moins fiables que Tavin. Même si on a une position de force et de monopole. C'est pour ça que je pense qu'il est préférable d'aider Tavin. Tu peux rajouter quelque chose? Ouais, bien sûr. Bah allez-y, on a tous notre mot à dire. Hein. Vas-y. Les Italiens aussi, au contrario de Tavin, c'est que les Italiens ont toujours des soucis avec la justice. Par rapport à hier, apparemment, de ce que j'ai eu par rapport à mon indique, Monsieur Santini s'est fait arrêter avec une arme illégale sur lui. Ils auraient fait tomber l'un de leurs hommes, de ce que j'ai compris, à sa place. Peut-être sous des menaces, de ce que j'ai pu comprendre dans la lecture que j'ai eue. Voilà. Ouais, oui, mais alors, les gars, le fait qu'il ait des problèmes avec la police, on s'en bat les couilles en soi. Eh, on n'est pas la justice, je suis pas Batman. Hein. Ouais, non, c'est pas ça. C'est que plus les gens sont visibles, plus on aura de rencontres avec eux, plus on sera suspecté d'être un groupe. Pour l'instant, on est inconnu en ville. C'est clair que les gens Italiens, ils font beaucoup plus de bruit que les hommes d'État. Ils seront cons. Ça, c'est pas nouveau. Si on laisse s'entretuer. Si les Italiens gagnent, si vous êtes déjà pris de haut, ils risquent de vous reprendre encore plus de haut. Sachant qu'ils auront, comme vous avez dit, les armes, comme nous on a. Et ils prendront sûrement la tête de la ville, surtout s'ils sont nombreux et mieux armés. Tu parles des Italiens, hein? Oui, c'est les Italiens. C'est si eux s'en sortent vivants, contrairement au groupe de Tavin. Tu penses qu'ils vont trop ouvrir leur gueule? S'ils l'ont déjà fait pour toi et Emmanuel, je pense que ce sera encore pire. C'était léger. C'était léger. Mais quand Gallaghan a dit qu'il nous devait un service, c'était pas la même réponse qu'avant, en mode oui, monsieur Gallaghan, bien sûr. C'était en mode oui, bah à un moment, faudrait peut-être le lâcher, le service, on va vous devoir des services toute notre vie, et avec des petits surnoms et des trucs comme ça. Et... c'est justement ça, tu vois, c'est qu'on les a par la peau des couilles. Je pense pas qu'on les a par la peau des couilles. Moi, je vous le dis, moi, mon seul problème là-dedans, qu'ils s'entretuent, c'est bien. Que deux gangs se foutent sur la gueule, c'est bien. Que nous, on prenne une partie, c'est moins bien. Et si cette partie qu'on prend, que ce soit Tavin ou les Italiens, perd, c'est encore pire. Ça nous met dans une merde entièrement gratuitement. Non seulement on n'y gagnera pas une putain de thune, mais en plus on sera passé pour des putains de bolos. Je pense à un truc. Pourquoi on joue pas sur les deux tableaux? On fait genre aux Italiens qu'on les aide. Parce que si les deux s'en rendent compte, eh ben ce sera deux groupes contre deux clans sur nous. Bah ouais, mais comment veux-tu qu'ils s'en rendent compte? Parce qu'il y a des taupes, regarde, un gars de Tavin s'est barré chez les Italiens. Les relations elles sont pas stables. Ouais, mais okay. Nous la seule taupe qu'il pourrait y avoir, ça serait le mec à ma gauche. Ah, ok, bah ça me balance, super. Ou alors il faut voir dans quel clan va nous être le mieux profitable? Niveau armes, niveau argent, niveau protection et tout ça. Groupe de Tovin n'ont pas les armes. Ok. Aladdin. Et on a les armes. Et les Rital? Ils ont les armes. Les Rital ont le point des armes lourdes. Ils veulent le monopole sur les armes. J'ai une petite remarque. Il faut absolument, dans tous les cas, qu'on agisse et qu'on fasse quelque chose à partir de ce soir, parce que les Italiens, ils sont très très instables, ils sont acculés, et quand on est acculé, on commence à prendre des décisions un peu stupides. Acculé, et tout est acculé, voilà. Oui. Espèce d'acculé, voilà. Donc t'es en train de dire que là, Jameson à ma droite, c'est un acculé? Ouais, de ouf. Là, les Italiens, ils sont dans la merde, ils vont faire de la merde, et ça va être la merde. D'accord? Tavin, moi je croyais que c'était vraiment super cool et hier soir je me suis rendu compte que c'était pas si cool que ça. D'accord? Les gars, bon, ils ont l'air efficaces mais sans plus. Ah, attends, ça c'est hyper intéressant ça. Appuie un peu le point s'il te plaît. Hier, on était. Ah merci. On était en train de guetter les Italiens et on c'est s'est mis en radio avec les hommes de Tavin pour qu'on travaille tous ensemble pour les trouver. On les a trouvés, alors on a ciblé d'abord la sœur de Gino, madame Gabriella Santini, qui était à l'hôpital. C'était les hommes de Tavin qui étaient dessus, ils sont pas rendu compte qu'elle était sortie en intervention et du coup on l'a perdue à ce moment-là. Ensuite on a localisé Gino Santini au niveau du BCSO, sauf qu'un des hommes de Tavin s'est fait voir
Du coup, les hommes de Santini ont compris qu'ils étaient suivis. Ça s'en est suivi une course-poursuite qui s'est soldée par une fusillade sur l'autoroute. À partir de là, nous, on a complètement fait demi-tour. Il est hors de question qu'on s'engage dans une fusillade. Et les hommes de Tavin, Tavin en particulier, a pris 2 balles dans le bras. Ah. Après ça, nous, on a eu une réunion avec Tavin pas plus tard que tout à l'heure pour lui dire qu'il était hors de question, si on travaille avec lui, que ce soit de cette manière. Nous, on va pas se mettre en ligne de front et on va pas travailler avec des gars qui n'ont pas de patience. Donc, soit il fait preuve de patience et on l'aide à attraper les gars, soit il se démerde. Et je pense qu'ils étaient sous le coup de l'émotion et de la colère après la trahison qu'ils ont eue. Parkinson. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est les laisser s'entretuer et mettre un coup de pression au groupe. Groupe survivant. Ouais, mais j'ai peur que si on aide personne vraiment et que l'un des deux gagne, quand on va mettre un coup de pression, ils vont dire « Attends, tu veux pas un pokey, tu vas pas lever le petit doigt, on te doit rien, démerde-toi. » Non, mais attends, quand il dit coup de pression, on les baise en fait. Tu sais, c'est un peu les personnes qui viennent après la guerre pour ramasser les miettes, tu vois. Voilà. Et ouais. Ouais, mais c'est pour moi, c'est ce qui me semble le plus intéressant. On n'est ni la justice, ni des malfaiteurs. On est juste les Rambo. On pense à nous, on fait des choses pour nous, pour être au sommet. On n'a pas besoin de concurrence, on n'a rien besoin de tout ça. Je pense, hein, c'est que mon avis, évidemment. Manfield. Oui, moi, j'avais proposé, au pire des cas, pour se faire un peu d'argent, on offre une tête, celle de l'avocat, Monsieur Jones. Ça nous fait 40 000 de salle, déjà un bon pécule, et on peut essayer, dans le même temps, de tester mon potentiel indic au BCSO, par la même occasion. Vous êtes au courant? Alors, attendez, je vais vous mettre au courant d'une chose, quand même. Écoutez bien ce que je vais dire, d'accord? Vous êtes au courant que si on les aide, peu importe la manière, d'accord? Même si on prend pas de risque, si jamais ça se sait que un de notre groupe a aidé deux groupes en guerre, ils risquent obligatoirement la mort. Non mais je tiens juste à rappeler les choses. On peut pas aider des groupes en guerre et penser qu'on a une assurance tout risque et que quoi s'il arrive rien, c'est pas possible. Sa tête sera mise à prix, c'est sûr. C'est alors exactement ça. Si jamais... Ça, je suis entièrement d'accord, mais je pense aussi qu'on peut pas devenir le numéro 1 dans cette ville si on se mouille pas un minimum. Mais se mouiller de quoi? Ces deux groupes en guerre, je vois pas pourquoi on se mouillerait pour eux en fait. Moi je veux dire, là ça brise aucun de nos intérêts à nous. C'est ce que je pense, après c'est moi qui aura le mot final après avoir écouté tout le monde. Mais... je veux dire, c'est deux groupes qui se détestent. C'est deux groupes qui ont clairement des problèmes à régler. Ben, laissons-les régler leurs problèmes. Ouais, j'ai du mal à comprendre pourquoi on aiderait plus un groupe qu'un autre. Pourquoi on se mettrait là-dedans? Même 40 000 dollars, je trouve que ça vaut pas le prix d'une vie. De notre groupe, en tout cas. Je trouve. Moi, ça me ferait chier que pour 40 000 dollars, tu les aides, toi, Manu, et qu'après... peu importe, je ne sais comment, il y a un lien qui arrive à se faire et qu'après on te retrouve cané, tu vois ou pas? Ouais, bien sûr, je comprends. Ta tête ne valait pas 40 000 balles. Après, sachez que cette décision, elle a été prise due à l'absence du groupe qui fait que nous, en ville, on se sentait avoir besoin d'avoir des alliés. Mais là, c'est plus le cas. Là, on est de retour, je te le dis. Écoutez, ils mettent fin à ça, ce qu'on va faire. On va rien faire pour eux, ni l'un ni l'autre. On va dire qu'on va un peu aider les Tovins pour certains points, faire croire qu'on les aide, mais on les aidera pas vraiment. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que les Italiens, on va les laisser tous crever, mais par on va parfois d'inattention laisser quelques mecs de Tovin mourir aussi. Comme ça, ces membres, ils seront moindres, il y aura moins de mecs chez eux, et quand ils seront moindres, on sera toujours là, et on les tiendra par les couilles. Mmh. Ok, j'ai autre chose à rajouter. Monsieur Vito Gambino Leone m'a envoyé un email un peu plus tôt aujourd'hui pour m'expliquer qu'il avait récupéré un gars de chez Tavin, que du coup c'était vu comme une trahison par Monsieur Tavin qui souhaitait les tuer. Du coup, ils sont rentrés en guerre. La situation est très tendue. Ce Black Jones qui les a rejoints donc a divulgué les informations qu'il y avait chez Tavin, les conversations, etc. Et mon nom y est mentionné, bien sûr, puisque j'ai déjà rencontré ce monsieur. Donc pour des histoires de cocaïne, etc. Rien de très engageant. Monsieur Gambino Leone m'a invité à discuter ce soir, ce que j'ai accepté, seul, sans radio, sans téléphone. Tu veux que je vienne avec toi ou pas? J'ai réfléchi, j'ai du mal à répondre et la première réponse que j'ai, c'est je pense qu'il est mieux que j'y aille tout seul pour pas faire de bêtises dans les mots. Tu fais ce que tu veux tant que tu te mets pas dans des histoires pas possibles. Ça, je vais essayer de m'en sortir. Sinon, je viens, hein. Tu me diras, hein. Parce que moi, je les ai, hein. Y a pas de soucis. Hein. Ils me la feront pas à l'envers. Je les connais suffisamment. En gros, ils vont nous le demander de l'aide contre le groupe de Tavin. Et moi, ce que je comptais leur dire, c'est non, moi j'ai travaillé un peu avec lui sur la coke. C'est pas un allié, c'est une partenaire. Mais je refuse Enfin, on refuse, puisque c'est au nom du groupe, je suppose, qui nous invite de s'engager dans ce conflit. Donc oui, peut-être que ça peut être bien que vous veniez. Bah alors, tu me choisiras, tu me diras à ce moment-là. Ouais, j'ai réfléchi précisément et je vous dis. Mais dire non peut être aussi un affront, ils peuvent aussi mal le prendre. Et alors? Mais non, mais je le dis. Non, mais ils vont faire quoi? Ils vont nous tabasser parce qu'on leur a dit non? On les retrouve, on leur met une balle dans la tête, c'est fini, on n'en parle plus des Italiens. De toute façon, il nous l'a dit, oui, où est-ce qu'il va ce soir? Et on est tous heureux pour les faire tomber, même niveau justice. Voilà. Les gars, c'est pas des lustres sucrés qui ont brisé les couilles. Puis genre avec
vous, en surveillance et des fois au début avec vous, après je partirai en surveillance après. Ce qui va se passer, si besoin, on peut attendre plus loin. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont me donner un rendez-vous où il y aura un chauffeur qui va m'emmener à un deuxième point. Vu à quel point ils sont sur les dents, il y a eu fusillade hier, etc. Je pense qu'il est vraiment très intelligent de ne pas les suivre. J'ai choisi de faire confiance à Monsieur Gambino Leone en partant du principe qu'il n'a pas d'informations sur ma relation avec Tavin. Et s'il voit qu'il y a quelque chose de louche, genre je suis suivi ou quoi que ce soit, ça peut partir en couille. Chose aussi importante, si jamais Tavin et son groupe tombent sur les Italiens et que tu es avec eux, même si c'était juste pour parler, si tu prends une balle, tu prends une balle. Je sais. Entre nous, si jamais on est en rendez-vous avec les Italiens et que Tavin débarque, je sors mon arme et je tire, mais pas sur les Italiens. Parce que si Tavin me voit avec les Italiens, ça va pas lui plaire. Mais non, il est au courant, non, cependant. Non, non, il je est au pas courant. Sûr que ça soit la bonne solution. Je pense que si jamais ils arrivent, d'accord, et qu'il y a la guerre et que t'es dedans, si vous êtes impliqué dans une guerre, d'accord, qui ne vous regarde pas, je pense pas que sortir l'arme et essayer de tirer, après moi, bien évidemment, tu me diras un peu ce que t'en penses, je suis pas sûr que sortir l'arme et prendre une partie pour le coup ça soit bénéfique. Allongez-vous au sol, dites que vous n'avez rien à faire là à la base, que c'est simplement le hasard qui vous a emmené là. Enfin, fuyez, essayez de vous en sortir. Le 1v10 les gars, ça marche que dans les films. Ici on est ni dans un jeu vidéo ni dans un film. C'est vrai. Après donc, monsieur, je pense monsieur que Tavin... tu lèves les mains et tu dis écoutez j'ai rien à voir dedans ou tu t'allonges, mais prenez pas des putains de balles pour rien parce que sinon, je vous le dis, si vous êtes dans une guerre qui ne vous regarde pas et que ça s'entretue et que vous mourrez, encore une fois, c'est pas un jeu vidéo, les gars. Il n'y a pas de seconde vie. Hein. Bien sûr. Par contre, Tavin est au courant que j'ai un rendez-vous avec Gambino Leone et je lui ai demandé de ne pas intervenir, de ne pas tenter quoi que ce soit. Bon, bah ça, c'est plutôt bon. Dans ces cas-là, je te suivrai si jamais t'as besoin et on ira parler aux Italiens. Bien sûr. C'est pas notre guerre, on s'en bat les couilles des deux camps. Comme je l'ai dit, on va laisser tous les deux crever. On fera semblant d'aider l'un ou l'autre. Et puis, le vainqueur, ils seront moins nombreux et on les tiendra par les couilles dans tous les cas. Ok. Il faut qu'il y ait un maximum de dégâts de part et d'autre. Comme ça, nous, on va pouvoir se faufiler. Oui, donc rien n'empêche que si un jour, vous voyez qu'il y a une petite fusillade, que l'un d'entre nous, par hasard, passe par là, sort un petit calibre et paf, oh, une tête est tombée. J'aimerais parler maintenant, si je peux me permettre, c'est terminé au sujet de cette histoire. J'ai juste un dernier truc. Parkinson, c'est pour toi. Hier, Tavin a pris 2 balles dans le bras. Il aurait besoin de voir un médecin officieusement. Mais après. On s'en occupe après. Si vous êtes OK. Ouais, pas de soucis. C'est pas gratuit, hein. Un médecin okay. Comme ça. Ah bah c'est sûr. Effectivement, hein, cracher. Hein. Là, on revient dans le game, hein. C'est terminé, hein, les gars. Là, c'est du business, là. Ouais. 5000 de salle. Ah, là tu, tu commences à parler. Là. 5000 de salle, ça me semble correct. 5000 la balle. 5000 le soin. 5000 la balle. C'est bien ce que j'entends là, non? Le bandage. J'ai entendu ça. Moi. Ouais, c'est pas des petits soins. Hein. C'est des rapports là, à pas faire. C'est une opération là hein, qui est demandée. Hein. Il allongera jamais 10 000. Il allongera. Eh ben dommage, il gardera ses 2 balles dans le bras. C'est con. Et on lui souhaitera bonne chance pour la guerre. Ah bah s'il faut du matos stérilisé et tout le bordel. Moi, le Tavin et tout là. Pour moi, c'est des Gugus. On n'a pas à s'allonger devant eux. Moi, clairement, maintenant, on revient dans le game. Et là, le business va être sale. Donc clairement, zéro pitié. Fais-lui comprendre qu'avec 2 balles dans le coude, ça serait dommage qu'il en prenne une 3e des Italiens. Et je pense qu'il va les sortir, ces 10 000 salles. Il était prêt à sortir 100 000 après tout. Ouais, mais j'ai peur que, comme ouais, il connaît mon visage... Ça coûte cher. Je suis d'accord. Et s'il gagne la guerre? Eh ben, s'il gagne la guerre, tu l'auras rendu service, il aura une opération à l'œil. Bah, il paye surtout le silence, parce qu'il n'y a aucune trace à l'hôpital, ni rien, tu vois. C'est le prix de la guerre, le silence. C'est ça, le nerf de la guerre. Bien sûr. Ou alors, ce que tu peux lui proposer, 5000 par balle pour une opération propre, par Parkinson, et sinon, ce sera 2500, mais on lui coupe le bras directement. Pour avoir travaillé sur le business de la coke, 5000, c'est énorme, vraiment. Je pense vraiment qu'il ne peut pas allonger plus pour un soin. Eh ben, 8000. Il a bien un petit 8000. Ok, on va tenter. Business is business, Emmanuel. Il faut vraiment que ça commence. Ça... C'est pas ton pote. Hein. Pour le minute, tu vas commencer à 10 000. Ouais. Tu vas forcer un peu sur le 10 000, puis tu descendras un petit peu. Ouais, ça fait toujours de bonnes fois, tu vois. Voilà, c'est ça. Comme ça, il a l'impression d'être gagnant, et au final, il l'est pas. Ok. Et là, c'est quand même le co-directeur ou le directeur de l'hôpital. C'est pas n'importe qui fait cette. Tu vois ce que je veux dire, cette opération. Ouais, c'est vrai. Et je peux te dire qu'il met de la pommade comme un chef. Hein. Oh, que oui. Ah, voilà. Ça. C'est terminé, ou est-ce qu'on peut parler de l'après, de la suite? Enfin, c'est terminé. Okay. Je peux parler d'après. Alors, moi, là, je demande votre avis, Mo et tout le monde évidemment, mais c'est Mo qui a toujours la décision finale. Concernant la suite, on est de retour. Il faut que les gens le savent, il faut qu'on commence à se remettre dans les business. Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Ou autre, moi, je t'en demande à toi, maintenant qu'on est bien de retour et tout, pour commencer à remettre des coups de pression, que Rainbow revienne en liste de course. Coucou, j'ai une idée. Si c'est pour aider Tavin? Pas du tout. Allez. On a une taupe au BCSO. Cette taupe nous donne beaucoup d'informations et est vraiment encline à travailler avec nous. Et on peut très bien lui demander la position, par exemple, d'une patrouille du BCSO à un moment donné, une patrouille qui est un peu isolée. Ouais. On leur tombe dessus, on prend les 2 fusils d'assaut, on dégage. Attends, ils ont chacun des fusils d'assaut? Ouais, le BCSO est armé de fusils d'assaut. Pas les aspirants. Non, pas les aspirants. Que ceux qui sont gradés au-dessus, s'ils les sortent, etc. Et c'est quel type de fusil d'assaut?
des G36. MK2. Ouais, mais ta taupe, elle va savoir que c'est toi qui a fait le coup. Ah, elle connaît pas mon identité. Ouais, elle connaît que moi. Et oui, elle sait. Oui, bah, ça revient même. Il nous a oui, présenté, mais elle ne sait pas avec qui je travaille. C'est ça. Parce qu'en fait, je demande bien plus de choses pour les Italiens que pour l'un. C'est ça. Aucun monde dans cette pièce. On lui demande des infos sur les. Tu as payé pour les Italiens? Bah non, pas du tout. Oui, mais le principe, j'ai rien donné aux Italiens encore. Le principe de si on revient pour bien montrer qu'on est là, c'est quand on va échapper, on va faire comprendre qu'on est Rainbow, pas les Italiens. Donc même si tu bosses beaucoup avec les Italiens, il va savoir que t'as aidé un autre groupe qui s'appelle Rainbow, il va te mêler à ça. Ouais, mais il connaît pas l'identité. Il connaît son identité. On a plein d'autres moyens de tomber sur eux sans utiliser une fuite. Il y a des moyens, le hasard, mais ça nous garantit pas qu'il y ait pas une autre patrouille à côté, tu vois. On a essayé de le faire. On a essayé de le faire l'autre fois. On est tombé que sur les aspirants, et pour info, les aspirants, quand ils voient trois bécanes, ils fuient. On les a même pas braqués, rien, ils nous ont vus, ils ont fait demi-tour. Moi, j'ai un contact à la LSPD, hein. Ok. Ouais, bah, je crois qu'on le connaît, hein. Ouais. C'est celui que tu m'avais dit. Ouais. Emmanuel Barreau. Ouais, c'est ça, monsieur Barreau. Ouais, ouais. Bon, tu peux l'oublier. Tu peux l'oublier, Barreau. Ouais, c'est un ripou, et il va bientôt tomber, je pense. Ok, ça marche. De ce il que m'a dit mon indique, hein. Il travaille avec les Italiens. Ah putain, c'est pas... On peut plus faire confiance à la police. Hein. C'est vrai que ça, ça on, a oublié de... on a oublié de le dire, mais les Italiens ont des lianes un peu partout. Ouais, dans le LSPD. Nous, hein. Oui, bien sûr. Et Tavin, il a des lianos? Il a un avocat. Mais il avait deux avocats, mais l'un des deux s'est barré chez les Italiens. Donc, au moment où on parle là tout de suite, il y a une guerre qui va s'enclencher entre deux gangs. Il y a peut-être quelque chose à faire, je sais pas. Ouais. Faut réfléchir à tout ça tous ensemble, c'est le projet. Qu'est-ce qu'on peut faire ce soir? Qu'est-ce qu'on peut commencer à faire? Dis-nous. C'est là les deux groupes, ils sont en guerre, on est d'accord. Qu'une balle, c'est une balle pour eux. Ils mourront définitivement. Bien sûr. Aucun moyen de les mort, sauver. Ouais, c'est le but quand tu prends une balle, généralement. Souvent, ouais. Souvent, hein, c'est pas... Oui, mais des fois, on arrive à survivre quand même. Non, c'est non, dans une guerre de gang, si tu la prends. Pourquoi un soir, on n'arriverait pas à choper les deux têtes des deux groupes et on s'en occuperait nous-mêmes? Oh, putain, c'est culotté, ça. Parce qu'on n'est pas engagé dans et la guerre. Et après, tu récupères tous les bonhommes de chaque camp? S'ils n'ont plus de chef, ils n'ont plus rien. Non, on n'est pas engagé dans la guerre. Donc non, pas engagé dans la guerre. Mais si on l'échappe, on fait. On va résoudre votre guerre. Oh, ça va être un bordel, ça. C'est culotté, sinon... on ferait bien surface. Mais attendez, sinon j'ai une idée. On est en bon terme avec Tavin et on est en bon terme avec les Italiens. On leur donne tous les deux un point de rendez-vous, ils se tirent sur la gueule et on se barre. Hein. Ouais, mais ils vont se barrer. Tu gagnes quoi, toi, dans l'histoire? Et si personne meurt et qui s'évade? Ouais, si personne meurt et qui se barre et qui s'enfuit? Et bah, on est dans la merde. C'est une idée. Bah, hein, là. Ils vont se dire, tiens, c'est Jean-Michel qui nous a donné le point. Ah, bah, moi aussi. Quelqu'un peut abattre Manfield, s'il vous plaît? Je crois que t'es pas journaliste pour rien, toi, putain. Eh ouais. Vite fait, j'ai une petite nouvelle à l'arrache pendant que j'y pense. Saïla, il est. J'avais oublié celui-là. Ouais. Ah, merde. Il a fait une crise cardiaque. Ah. Donc, il est totalement décédé. Il était taxi. Il est mort de quoi? AVC. Je viens de te le dire, il a fait une crise cardiaque. En fait, il marchait dans la rue, ouais. Il a fait une crise cardiaque. D'accord. D'accord. J'ai une suggestion. En fait, la taupe qu'on a au niveau d'UBCSO, il faudrait qu'on la garde le plus longtemps possible. C'est vrai que c'est très riche au niveau des armes, mais si on a une Comment histoire... Comment s'appelle la taupe? On n'a pas son identité. Toi, tu l'as, oui, mais non, on ne va pas le dire ici. Ah, pourquoi bon? Bah, la taupe fait très attention à tout ce qui se passe avec les GoPro. Et ouais, tient là, à garder tout ça. Il n'y a pas de GoPro, là. Si, de GoPro. Je la vois sur votre torse, hein. Vous êtes pas très discret. Hein. Bah, moi j'en ai pas. Moi j'ai une GoPro. Ah, t'as une GoPro? Ah, d'accord. Bah, faudrait que vous le mettiez dans le tableau alors. On le mettra, ouais. Et donc, je disais, pour la taupe, il faudrait vraiment qu'on la garde le plus longtemps la possible. Pour ton et, que... et qu'on fasse pas trop d'actions trop visibles avec cette taupe. Que s'il y a une enquête, un truc comme ça, qu'elle tombe trop rapidement, vous voyez ce que je veux dire? Faut la garder en joker, faut la garder en joker. Ouais, il faut que ce soit un joker. On a un jeu de cartes avec 12 de joker. Bon, maintenant on fait quoi? C'est ça le truc. On revient dans le game, on fait quoi là? C'est ce que je vous le dis. Moi, je pense qu'on pourrait refaire des enlèvements un peu complètement au hasard et qu'on fasse parler de nous comme ça. Je suis un peu d'accord, mais pas spécialement au hasard. Faut viser des services particuliers comme la police, la BCSO, mettre des petits coups de pression. Un Italien ou quelqu'un de chez Tavin, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est vrai. J'ai une suggestion là, comme ça, pas les chefs. Semez la Discord. Aussi, Jameson, il y a un homme de Tavin dans les journalistes, monsieur Alexei. Ok. Ouais, je l'ai appris hier par Manu. Lui, je l'embarquerais bien en vrai. Ouais, il y a moyen. En plus, il a un accent russe, ça pourrait nous exciter, je vous le dis. Et en plus, c'est une pleureuse là, faut qu'on lui mette la misère, ce bâtard. Et à quoi ça nous servirait? Bah, je comprends pas, parce que vous avez rencontré Tavin sous le nom Rainbow. Il vous a rencontré, vous avez discuté, vous voulez kidnapper un de ces hommes. Et alors, on n'a pas dit qu'on dirait qu'on est les Rainbow?
kidnappe, il a pas à nous poser de questions, c'est nous qui posons les questions. Mais qu'est-ce qu'on veut tirer de cet homme? On prend un accent italien. Des informations et lui faire comprendre qu'il n'y a pas que les Italiens en ville non plus. On peut foutre la merde comme ça en prenant un accent italien. Ah oui. Ok, et qu'est-ce qu'on gagne pour le groupe, à part un peu de réputation et avec le risque d'échouer qu'il y a? Et une arme, s'il en a une. Il n'y a aucun risque d'échouer, si on Oui, sauf qu'ils sont difficilement un par un vu la situation. C'est pas ouf. De toute façon, ce que tu dis là, c'est valable pour les Italiens ou pour n'importe quel autre groupe en soi. Oui, bien sûr. Sauf que les Italiens, donc, on sait que ça peut nous rapporter gros. On a dit qu'on prendra n'importe qui. Ça nous rapporterait quoi, les Italiens? Bah, de l'argent. Tu on prend un mec au pif. Un Italien et qu'on le vende à ta vin? Bah, l'un des trois, l'une des trois têtes, Vito, Gino ou Black Jones, le mec qui les a trahis. Bah, pourquoi on ferait pas le contraire alors? Est-ce qu'il y a pas de deal avec de ta vin et on le vendrait aux Italiens? Bah, au pire, on fait soit qui paye le mieux, hein, on s'en bat les couilles. Dans ces cas-là. Mais le problème, c'est qu'à jouer à ça, à demander des prix. On est cramé. Ouais. J'ai l'impression que tu focus énormément les Italiens là, je comprends pas en fait. Bah parce que j'ai déjà discuté avec Tava, effectivement oui. Bah effectivement oui quoi. Bah effectivement j'ai déjà discuté avec eux, donc je vois pas pourquoi on les kidnapperait eux alors qu'on n'a pas de discussion sur ce sujet avec les Italiens. Bah j'ai beaucoup discuté avec les Italiens et je suis du même avis mais dans l'opposé. J'ai jamais discuté vraiment avec Tava et je vois pas pourquoi on prendrait pas un Tava, je veux dire. Là c'est du business, là faut aller à celui qui paye le mieux, à celui où on est le mieux récompensé. Le Tava jusqu'ici il a mal barré. Apparemment, il sait pas s'en sortir, il a deux balles dans le bras, et ça commence déjà par les Chinois de son côté. Donc je vois pas pourquoi on donnerait tout à Tavin. Oui, surtout que là, lorsqu'on l'a rencontré, il nous a dit que lui, c'était le côté légal, qui risquait rien. Ouais, il a quand même pris deux balles. Moi, j'ai juste vu un mec éclaté devant moi, et l'autre avec une tête de corbeau. Hein. Voilà, okay. Pour faire avoir un mec qui fait le malin à venir sans masque, je suis intouchable. Ouais. Il a été touché. Ouais, clairement, ouais. Il a été touché plutôt de Funkin, si je me permets cette expression. De toute façon, si jamais on kidnappe quelqu'un, il faut qu'il ait soit de l'argent sur lui, oui, soit mais... une arme. De toute façon, kidnapper quelqu'un pour faire genre un autre groupe, ça fera pas monter le groupe Rainbow et disant qu'il est... pour dire qu'il est là, vu que. Non, c'est pour ça que je te dis, faut qu'il ait soit de l'argent, soit une arme. Soit, si que ça soit la LSPD, BCSO, les Italiens, le groupe de Tavin ou autre, je m'en bats les couilles. Faut juste qu'il y ait un intérêt. Donc, une arme à gratter, peu importe le prix. Et de la thune. Et de la thune à gratter. J'ai une idée pour la thune, si vous me permettez. Parce qu'oubliez pas que une prise d'otage, on peut demander de la thune justement en échange de la personne. C'est l'avantage de prendre quelqu'un d'un groupe. J'ai suggéré Ashley Grayson et son sbire John, je sais plus quoi. Pourquoi Odoyer. Tu veux les embarquer? Pourquoi? Parce qu'ils travaillent à la banque maintenant désormais. Ah oui, ça c'est pas faux ça. Ils travaillent à la banque centrale, ils font des... Un petit prêt d'un million, mon Rainbow. Et voilà. Ça peut être une bonne idée de les attraper là. Et ils sont quasiment en permanence là-bas. Et ben, ce serait une bonne idée d'attaquer en tant que Rainbow. Il faut qu'on soit armé. Ouais. On va s'attaquer à des personnes qui ont potentiellement sur eux soit une arme, soit des contacts qui peuvent payer, entre guillemets, une sorte de rançon. Faut pas en abuser, parce que ça sert à rien, on va pas se nourrir que de ça, si vous voyez ce que je veux dire. On a quand même chacun des boulots et tout, faut faire tourner les caisses et tout. Pour la guerre, si je résume bien, on les laisse s'entreculer. Emmanuel, et peut-être moi, ça dépend s'il veut encore. On va voir Vito ce qu'il veut, de quoi il veut nous parler. On sait d'ailleurs de quoi il va nous parler, mais on va faire les surpris. Et on voit où ça mène. Et après, on se reparle juste après et on fait un résumé de tout ça. Ok. Ça me paraît pas mal. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter ou autre. Bah, faut peaufiner le plan, quoi, avant de passer à l'action. Donc, bon, on va mettre fin à cette réunion parce que ça fait quand même un moment qu'elle dure. On n'entre pas en guerre. On éliminera le dernier groupe qui restera. Si pendant cette guerre, on peut coller une ou deux balles discrètement sans qu'on sache que c'est nous, on le fait. Et pour honnête, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focaliser sur les banquiers. Et on va faire un bon petit coup sur eux, on va se tirer de l'argent. La BCSO et la LSPD, on oublie? BCSO, ça, on s'en occupera une fois qu'on sera armé. Une fois qu'on sera bien armé, on s'occupera de montrer aux BCSO et à la LSPD que c'est pas eux qui contrôlent la ville. Petite question. Ouais. Pour les banquiers, c'est mieux d'être mieux armé qu'avec un pistolet, non? Face au LSPD, pensez pas? Clairement, le oui. Le but de les choper, c'est qu'on le fasse pas dans la banque. Ok, je pensais que tu voulais le faire directement là-bas. Mais du coup, si on les chope pas dans la banque, ils ont quoi comme argent sur eux? Bref. Ce qu'on fera, c'est qu'on chopera les deux. On va les emmener quelque part pour bien montrer qu'ils sont en danger de mort, entre guillemets. On va un peu les titiller et les torturer un petit coup. On en prendra un. On l'emmènera prendre son argent. On le ramènera. Il n'aura pas le choix. Il y aura encore son collègue qui sera sous danger. Manu, il doit aller parler aux Italiens. Je vais demander aux Italiens si je peux être avec lui. Et on va leur demander combien ils donneraient... Admettons, si jamais ils nous parlent de cette guerre, combien ils donneraient? On leur dit pas qu'on va les aider, on leur dit juste quelle est votre offre. Et après, Manu et moi, on vous fait un résumé et on décide tous ensemble. Ok. Non mais quitte à aller à cette réunion de merde, parce que Manu il a pas spécialement envie d'y aller, je suppose, à la réunion des Italiens, autant en tirer un maximum d'informations, on est d'accord? Clairement. On se rappelle tous ensemble après et on se donnera rendez-vous au bureau. Ok, je fonce à la banque et puis c'est parti. Demande des informations sur des potentiels convois, mais de manière très discrète. Hey White. Ouais. Tu crois pas que
c'est une mission que tu peux donner à Ghost, ça, vu qu'il a aucun lien avec le groupe. Oui, c'est vrai. Lui, d'ailleurs, il vient quoi, lui? Bah, lui, il nous aide sur le tout. Il s'est fait choper sur un braquage. Si, il a fait. Non, il a fait une journée de garde à vue. Il s'est fait choper sur un braquage de supérette où on faisait le guet pour lui. Et il a rien dit aux flics. Tout s'est passé nickel. D'ailleurs, c'est un mec sûr, quoi. Ça vous tenterait, si jamais ça bouge beaucoup, soit en ville, d'en faire une ou pas? Parce que s'il y a une guerre qui a été lancée, ça bougera forcément. La police est quand même beaucoup, beaucoup plus organisée et il y a de nombreuses patrouilles. Mais oui, on pourra en faire une plus tard. Elle est mieux organisée depuis avant? Ouais. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les citoyens. Mais là, vu qu'on est beaucoup... J'oublie un détail. Quand Ghost était en prison, quand il s'est fait arrêter, j'ai appelé Tavin pour qu'il envoie son avocat, qui a réduit la peine de moitié. Et il a payé combien dans cette histoire? 8 000 au lieu de 16 000 et une journée de prison au lieu de 5. Je crois, ou 2 ou 4, je sais plus. Ok. Il a bien réduit la peine. Bah très bien, bah écoute, Manu, tu me tiens au courant quand il y a la rue? Ouais, je vais appeler Vito. Très bien. Bah messieurs, je peux disposer? J'y vais. Ouais. Je vais reprendre le boulot de taxi, on leur dit. Faites attention à vous, messieurs. Ouais, ça va? Ouais. Là, je couvrais votre voiture au cas que la fourrière passe par ici. Merci, ça c'est bien joué de ta part, ça. Et il fait quoi là? Putain, j'ai plus de voitures. Je te dépose ou pas? Bah viens, viens pas. Oh bah si tu veux, je t'emmène. Allez. Je vais prendre contact avec Ghost. Ouais, bien sûr. Et pour où c'est parti, mon kiki? Faites attention. De cette réunion, ça reste entre toi et moi. Oui. Ah, excuse-moi, j'étais sur le GPS, c'est une technologie de vieux. Ouais, j'ai pas de problème. Ça reste entre toi et moi, mais concrètement, c'est quoi le Est-ce que vous avez un problème avec les Italiens que vous nous avez pas dit? Je comprends pas. J'ai sincèrement l'impression qu'il y a un malaise. Ouais, il y a un malaise. Ouais, clairement. Moi, j'ai aucun problème. J'ai mes focus avec Manu. Là, il me dit, j'exécute, il n'y a pas de problème. Pour moi, de mon impression, les Italiens, ils sont trop instables. Ils partent trop en couille. Je suis d'accord, sur ça, je suis d'accord. Mais est-ce que ça vaut la peine de les tuer, tu vois ou pas? De risquer notre vie pour des conneries qui ne nous regardent même pas, finalement. Ouais, ça ne nous regarde pas, mais c'est aussi une sécurité pour l'avenir. Qu'est-ce qui nous dit que du jour au lendemain, ils ne vont pas justement répéter une table et venir nous péter la gueule? Ouais, mais moi, le problème, c'est Tavin aussi, tu vois ou pas? C'est-à-dire que dans la réunion, j'ai pas vu quelqu'un d'intéressant. Je vois pas ce qu'on peut en tirer de ce gars-là ou pas, tu vois ou pas. Je peux comprendre que pendant 2-3 semaines, bon bah vous étiez entre vous, forcément, vous étiez d'amitié, vous étiez à deux doigts de vous piper. Mais j'arrive pas à voir le projet de l'aider à ce point-là. T'imagines que se débarrasser des Italiens, c'est quelque chose d'énorme. On parle pas de tuer une ou deux personnes. On parle d'un putain de groupe de 8 ou 10 gars. Ouais, je sais. Pour moi, Manu, il s'est focalisé sur la stabilité de la personne. Ouais. Ouais, mais on est d'accord que c'est pas suffisant pour tuer... Et là, au bout de ce... Moi, je le suis, y a pas de problème, mais pour moi, Tavin, c'est pas ça, quoi. Ouais, c'est même pas ça du tout. Clairement, clairement. Moi, ça me fait plaisir, en tout cas, d'avoir discuté avec toi et d'avoir eu ton avis. Ouais, pareil.